Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon tout premier facecam, donc désolée si je suis un petit peu tendue. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter par la suite avec Yoda en duo face commentary, en duo commentary même, pardon, la visite guidée des studios de Bungie. Donc j'espère que ça vous plaira. Il y a des choses qu'on n'a pas pu vous montrer malheureusement, et ça c'est dommage. Il y a aussi des choses qu'on ne pourra pas vous dire avant un certain moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je tenais simplement à vous remercier, vous, puisque c'est grâce à vous qu'on est arrivé là-bas, qu'on est arrivé à tout ça, que notre chaîne a pris cette tournure. Donc voilà, merci vraiment du fond du cœur. Et donc je ne suis pas avec Yoda, mais je pense qu'il vous remercie également. Vous le retrouverez en facecam très prochainement, probablement sur Twitch d'ailleurs. Et également merci à Morgane et à Alexis d'Activision si jamais vous regardez cette vidéo, parce que voilà, merci pour toute l'opportunité que vous nous avez offerte. Gros bisous tout le monde et à tout de suite pour cette vidéo. Donc vous avez pu le voir à l'instant les amis, on vient tout juste de rentrer dans les studios de Bungie. C'est donc une architecture qui se trouve entre plusieurs étages. On était, je crois, sur le deuxième étage. Et donc une fois que vous rentrez dans ces studios, vous êtes complètement immergé dans l'univers Bungie. Vous allez voir qu'il y a des statuettes partout, de la déco Bungie, Destiny partout. Vous avez vraiment les grosses lettres Bungie quand vous arrivez directement dans le studio. Et on a été accueilli par un mec à l'accueil avec un bon accent d'américain qui nous a fait signer directement des feuilles concernant l'embargo et les fameuses dates qu'on n'a pas le droit, enfin les fameuses choses qu'on n'a pas le droit de révéler avant une certaine date. Ouais, donc c'est vrai que c'est plutôt, enfin franchement c'est très joli quand on rentre, l'éclairage est vraiment magnifique, on voit qu'il y a vraiment des tableaux, des objets de collection qui sont mis en avant, c'est voilà, c'est vraiment très joli. Et allez, on continue cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine étape. Donc là, on vient de faire un premier arrêt au niveau de la fameuse statue de Halo. Donc juste derrière, il y avait une arme qui pesait malgré les apparences très très lourde. Donc c'est pour ça que, en fait, sur cette vidéo, on voit Biff qui est en train de galérer avec l'arme qu'il tient sur son épaule et qui tombe en arrière. Donc en fait, tout simplement, à ce passage de la visite des studios, DJ nous fait une petite présentation des studios Bungie de Seattle. Donc on est dans le quartier Bellevue. Quartier Bellevue, voilà, c'est l'un des quartiers les plus riches de Seattle. Il faut savoir que notamment dans cette maison-là, vous pouvez approcher de la maison de Bill Gates. Vous ne pourrez pas la voir, mais vous pouvez en approcher un petit peu. Voilà, il faut savoir qu'il habite encore à Seattle. Il nous expliquait aussi que le studio avait été créé en 1991 à Chicago. Donc à l'époque, ça avait été créé par deux étudiants. Et que voilà, maintenant, le studio comprend des milliers de personnes et aujourd'hui fait des grosses licences telles Halo ou Destiny qui est sorti donc dernièrement. Donc on ne le verra pas dans cette vidéo parce qu'on n'avait pas le droit de filmer l'intégralité des studios, mais à l'étage vous avez d'autres bureaux, d'autres salles qui leur permettent de concevoir, développer, créer, tester les jeux, et vous avez même également une salle de sport. Donc on voyait les gars par exemple de chez Bungie qui arrivaient avec juste le cycliste à l'effigie de Bungie. Ils arrivaient en vélo au calme, ils montaient à la salle de sport avec les tenues de sport de Bungie. Vraiment un mode de vie, un mode de boulot à l'américaine, et ça c'est juste énorme. En fait. Oui, c'est extra, franchement le top quoi, c'est un rêve. Et les mecs arrivent en short, en basket, à la Walligan, alors qu'ils viennent bosser très sérieusement. C'est sûrement des gars qui ont beaucoup d'années d'études, mais au final voilà, c'est plutôt cool comme ambiance. En tout cas moi je kifferais bosser dans ce genre d'univers. Et donc là on a fait un deuxième arrêt, donc je pense que là vraiment les fans de Halo et Destiny, ils vont rester la bouche bée devant cette vitre. En tout cas moi j'étais vraiment bouche bée devant cette vitrine. Donc vraiment des objets magnifiques, des objets collector, vous allez avoir le casque du Master Chief, vous avez vraiment tout, des armes que vous pourrez retrouver dans Halo, il y a les versions collector du jeu, on a même vu une version du brise-glace. C'était vraiment, je crois, magnifique. Qu'il y avait le marteau noir et le brise-glace dans la vitrine, il y avait plusieurs petites statuettes à l'effigie de Destiny, donc il y avait vraiment, en fait c'est toute leur collection de statuettes, de goodies en fait. Alors ouais, vraiment c'est vraiment les objets collector en fait qui ont rapport avec tous les jeux qui ont été créés par le studio Bungie. Et il y a vraiment de très belles pièces de collection, enfin moi le brise-glace je suis resté, j'ai kiffé quoi, un truc de fou. En tout cas une très belle vitrine. Donc on a poursuivi un petit peu la visite avec la présentation de ce magnifique trophée. Donc s'il y en a qui suivent Bungie de très près, ils doivent savoir qu'il s'agit du Pantalion. Et en fait c'est tout simplement le trophée qui a été décerné à Bungie 5 années de suite pour la conception tout simplement du meilleur jeu vidéo, je crois. C'est ça? C'est bien ça, ils ont été élus donc studio réalisant le meilleur jeu vidéo. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de prix qui ont été remis à Bungie, notamment vous allez voir sur une photo un petit bonhomme avec une espèce de cigare. C'est tout simplement le prix du meilleur jeu multijoueur de l'année. Donc ça avait été remis à l'occasion de Halo, il me semble que c'était Halo 2 à cette époque-là.
Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de prix, on va pas tous les décrire, mais on peut voir que c'est un studio vraiment qui pèse, c'est vraiment du lourd, ils se trompent pas les mecs là-dedans généralement et ils visent juste et voilà, c'est la juste récompense qu'on peut voir cette vitrine avec beaucoup de prix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour avoir parlé avec les développeurs, les concepteurs, une fois sur place, ils sont extrêmement fiers de tous ces trophées, de toute cette vitrine. Et je pense que c'est pour ça que Didier a fait le choix, tout simplement, de commencer sa visite par nous montrer un petit peu toute cette collection de succès. Donc là, on se retrouve dans le Spandex Palace. Donc vous voyez DJ qui nous fait une petite démonstration, tout simplement parce que dans cette salle, c'est ici que se passent toutes les captures, donc les motion captures au niveau des gestes des personnages. Donc il nous l'a dit, c'est à ce niveau-là qu'ils ont fait venir des danseurs pour, par exemple, toutes les danses dans le jeu, donc dans Destiny que vous connaissez. Tous les jeux, enfin les mouvements des ennemis, vraiment tout, le mouvement des personnages, tout est reproduit dans cette salle-là et est capturé grâce à des capteurs présents, donc sur des vestes, etc., sur des bonnets, sur l'arme ou même qu'ils portent. Et pour ceux qui reconnaîtront un petit peu l'espace et notamment le sol sur cette zone, en fait c'est un sol que vous avez déjà aperçu dans des vidéos où vous voyez par exemple le test des fameuses armes qu'ils ont mis précédemment en vitrine, donc par exemple le brise-glace, je sais qu'il y a eu le torn, enfin ils ont fait plein de tests d'armes et de répliques miniatures. Donc voilà, c'est vraiment, c'est dans cette salle que tout ça a été tourné au final. Voilà. Donc là, on se retrouve devant la zone qui s'appelle The Gauntlet. C'est tout simplement la zone privée, donc là, on n'a vraiment pas eu accès. C'est derrière cette porte, Digi nous l'a dit, qu'il y a vraiment des milliers et des milliers de personnes qui travaillent pour développer tous les jeux, donc développés par Bungie. Donc à ce moment même, il nous disait qu'en fait, c'était ici que s'écrivait le futur de Destiny. Que c'était là aussi qu'était développé donc le prochain Halo, etc. Donc nous expliquait qu'il y avait vraiment des milliers de personnes qui travaillaient ici, que cette zone était privée bien évidemment. Donc en clair, une zone qui vaut de l'or, c'est là où se décident et se prennent toutes les décisions concernant l'avenir de vos jeux préférés. Et malheureusement, on n'a pas eu le droit d'y mettre les pieds, ça c'est vraiment notre seul regret. On finit enfin la visite donc devant cette salle, le laboratorium. Donc il faut savoir qu'en fait c'est dans cette salle qu'on a passé la plus grosse partie de la journée. C'est dans cette salle qu'il y a, en fait on avait chacun un poste avec deux PC, une télé, on avait chacun un Elgato, vraiment ils nous avaient tout mis à disposition et qu'on avait même des PS4, donc il faut savoir qu'on a joué sur des PS4 de développeurs. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment des gros boîtiers gris, c'est assez gros, hein. Ça fait la taille d'un, je sais pas comment dire, ça doit faire allez, peut-être deux ou trois fois la taille d'une PS4 normale et on a joué sur des PS4 comme celle-là. Donc vous pouvez voir aussi juste à gauche derrière lui qu'il y a un portique, en fait un détecteur de métaux. Il nous a dit que généralement ils faisaient passer les gens là-dedans, mais voilà, qu'ils avaient confiance en nous. Aujourd'hui ils ne l'ont pas fait, et voilà, c'était vraiment là-dedans qu'on a passé le plus clair de la partie. Donc on a resté tout un après-midi dans ces petits box avec nos télés, nos écrans capture, nos Elgato, et c'est là qu'on a pu enfin tester le prochain DLC. Et donc on a essayé à peu près tout sauf les missions. Je crois qu'on a testé le Prison of Elder, on a testé 4 nouvelles maps de PVP, on a testé une mission, non c'est un assaut. Un assaut, on a testé le nouvel assaut. Voilà, donc on n'a pas le droit de vous dire nos ressentis malheureusement à cause de l'embargo, on peut pas vous dire si c'est chouette ou pas, bref, on est obligé de laisser planer le mystère. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on connaît déjà ces modes de jeu, on les a vus, on les a testés dans cette salle, et malheureusement les portes pour vous vont devoir rester closes. Voilà, donc à savoir qu'on sortira une vidéo mercredi à 20h sur l'événement d'Osiris et sur les maps de PVP. Donc vraiment, mercredi à 20h, on vous sortira tout ce qu'on sait et tous nos gameplays qu'on a pu capturer sur l'événement d'Osiris et les nouvelles maps de PVP, donc les 4 nouvelles maps de PVP. Et le mercredi suivant, donc mercredi 6 mai, on sortira donc tout ce qu'on sait, tous les gameplays, etc. sur la prison des vétérans. Voilà, donc vraiment là, il y aura vraiment du lourd. Je pense qu'on mettra même quasiment le full gameplay. J'ai tout le gameplay qui dure une quarantaine de minutes, je pense que je vous mettrai tout. Et on vous fera une autre vidéo par la suite, on vous expliquera plus en détail le mode de jeu. Voilà, la seule chose qu'on n'a vraiment pas du tout le droit de vous montrer finalement, c'est le récif, l'espace social. Alors j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu dommage parce que j'ai déjà trouvé les trois spectres dessus. Mais malheureusement, je ne pourrai rien vous dire avant le 19 mai pour le récif cette fois. Donc les petites captures où on nous voit aller aux différentes factions, et bien malheureusement, celle-ci, on ne pourra pas les diffuser. Ouais, ouais, c'est vraiment dommage. Mais peut-être qu'on vous remettra la vidéo justement du live de Bungie pour la visite du récif. On essaiera de vous faire un truc comme ça. En tout cas, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On a vraiment passé une journée de folie au sein des studios de Bungie. Encore vraiment merci à Morgan et Alexis de chez Activision de nous avoir permis
d'aller là-bas, de nous avoir donné notre chance d'aller là-bas. Et merci à vous également, parce que sans vous, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est grâce à vous, grâce à cette communauté qui nous suit, qui regarde nos vidéos, qui passe, qui met des likes, des commentaires, qui partage. Bref, c'est vraiment grâce à vous, donc du fond du cœur, merci de nous avoir permis de réaliser ce rêve, tout simplement. Voilà, donc en contrepartie, on vous fera gagner des t-shirts via Twitter prochainement, donc n'hésitez pas à nous suivre, vous avez les comptes dans à propos d'eux, voilà, vous avez les comptes de Twitter de moi et de Lady. Il y aura un t-shirt à gagner, par contre ça va bientôt arriver, et on essaiera à l'occasion de la sortie du DLC, peut-être qu'on fera on fera un petit geste, on achètera chacun un DLC, on va voir pour PS4 et pour Xbox One, on vous fera gagner un DLC pour la sortie de la maison des... Voilà, on n'en dit pas plus, on vous fait de très gros bisous, on vous souhaite une belle soirée et à très bientôt tout le monde. À très bientôt, et vraiment merci du fond du cœur les potes, c'est grâce à vous tout ça, on vous aime, tchuss.